Allez, recharge, recharge, recharge. Ils sont touchés. Ils sont seulement touchés. Ouais, ils sont seulement touchés, mais ils sont pas morts. Recharge. Alors, je serais censé bouger là. Voilà, je me suis fait exploser parce que j'ai pas bougé. Je vous l'ai dit, je joue très mal. Bonjour à tous, c'est Rocky, on se retrouve avec des beaux tanks. Non, c'est pas Rocky, faites l'amour, pas la guerre, mais c'est pas grave, on peut y jouer quand même en jeu vidéo. On se retrouve sur World of Tanks, on en avait pas mal parlé avec World of Warplanes, qui est un descendant, on va dire, enfin une suite, qui s'est fait dans la suite de World of Tanks, hein, le studio, comment il s'appelle, Wargaming je crois, est surtout connu pour World of Tanks, c'est le premier jeu qu'ils ont fait. Oh, il y a des feux d'artifice, c'est beau. On est à la guerre mais il y a des feux d'artifice, il y a un sapin de Noël et tout, c'est logique. Quoique le sapin de Noël, oui, si, c'est possible, mais les feux d'artifice un peu moins, parce que ça révèle la position et tout. C'est peut-être des fusées de détresse. Bref, on se retrouve sur World of Tanks pour vous faire un petit gameplay. J'y ai joué un petit peu, je suis bien moins bon que... Enfin, pas que je sois bon à World of Warplanes, mais c'est plus simple à appréhender World of Warplanes. C'est-à-dire que World of Tanks, il y a quand même beaucoup plus de stratégie et de technique. Et je pense qu'il faudrait que je voie ça avec des... en jouant à plusieurs, mais avec des personnes avec qui on dialogue, entre guillemets, pour être sûr que ça se passe bien. Tiens, j'ai remarqué que j'ai pas de musique, est-ce normal? Que me dit les paramètres audio? On va augmenter. Ah ben non, puisqu'après je vais en chier pour le réglage, c'est pas grave. Là on n'entendait rien du tout, donc on va juste augmenter un peu. Je réglerai de toute façon en post-prod, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc World of Tanks, c'est un petit peu le même principe que World of Warplanes. On a des tanks, on peut en acheter, c'est un free-to-play. Éventuellement on pay to win, mais pas forcément, parce que moi ça m'est jamais venu à l'idée d'acheter quoi que ce soit sur World of Warplanes. C'est World of Tanks, je suppose que non, de toute façon. Ce genre de jeu, voilà, où on s'amuse en mode un peu casual. C'est pas, enfin, sauf si vraiment on veut s'y plonger dedans, mais bon, après ça c'est un débat pour chacun. Et on a plein de tanks au départ, on peut éventuellement acheter des véhicules, mais je n'ai pas beaucoup de monnaie. Ah bah tiens, ouais mais c'est un char 2. Char lourd, moi je veux des gros tanks. Bon, ils coûtent cher les chars lourds. Char moyen, ouais, c'est des classes 5, 6, et ça c'est les chars légers. Écoutez, on va en acheter un. Alors, il faut que je fasse la recherche, apparemment. Recherche, n'est-ce pas? Donc... Ah, ou alors je peux faire un recherche sur lui. On va faire une recherche. Vous savez quoi? On va faire recherche sur... Rechercher canon 15 mm machine gun. Yes! Et je vais l'équiper, c'est mieux. Voilà. Alors, drapeau de signal... Ah, on va changer nos petites chenilles. C'est la chenille qui redémarre. Hop. Et on peut éventuellement, voilà, passer au cruiser 3, mais qui est de classe 2, et je préfère rester en classe 1 pour l'instant. Je sais pas ce que c'est, ça, c'est... Ah, c'est le moteur. Alors, un moteur plus costaud. Tant qu'à faire, je vais améliorer au max mon truc. Et ça, c'est la radio. Je sais pas, j'ai besoin de change, mais c'est pas grave. Tourelle. Ok. Ok, on équipe des tourelles, on met un méga canon, 3000, oui, j'ai assez pour l'acheter, j'ai un gros canon, bien gros costaud, comme il faut, voilà, super, mon chargement des munitions a échoué. J'ai essayé de charger manuellement les trucs, on va voir ça, donc ça c'est au... Où est-ce que ça se fait les munitions? C'est dans la maintenance? Alors oui, pour l'instant j'ai celle-là, munitions, rapprovisionnement auto, c'est bon, j'ai tout, cross-pénétration. On peut éventuellement équiper celle-là. Alors celles-là font plus de dégâts mais une pénétration moindre. Donc pour l'instant, comme c'est un petit peu plus compliqué à tout gérer, ça, j'ai mes petits kits de réparation. On va laisser ça comme ça, acheter, accepter. Voilà, j'ai rechargé mes nouvelles munitions, prêt au combat, et puis on va partir, on va faire un petit combat pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, c'est vraiment totalement différent de World of Warplanes, qui est beaucoup plus arcade, je trouve. Et là, on est avec que des trucs de niveau 1, donc ça devrait aller, il y a une bonne répartition. J'aurais pu prendre un petit char Leclerc, ouais. Ah ouais, non, je l'aime pas ce terrain, je l'aime pas. Alors, normalement, j'ai un moteur rapide maintenant.
Mais j'aurais pu prendre un char Leclerc pour représenter un peu la France, bordel. Mais j'ai pris un char anglais. Allez savoir pourquoi. Parce que de ce que j'ai manié, le char Leclerc, je me fais exploser la gueule à chaque fois. Donc vous voyez, on a une petite escadrille. Vous voyez en bas à droite la map avec notre escadrille. Le drapeau en face qui est là-bas. Je peux pas zoomer pour l'instant, mais on va zoomer dès que la bataille commence, n'est-ce pas? C'est parti! Voilà, c'est là-bas qu'il faut aller et personne ne bouge. Je te roule pas dessus, toi. Et on peut soit aller dans le tas ici, mais c'est une grande plaine et c'est pas conseillé parce qu'on va se faire dégommer la gueule. Soit contourner. Et donc le but, c'est soit de détruire tous les tanks adverses. Oh, tu vas vite, toi, petit. Soit d'aller dans la base ennemie et que quand vous rentrez dans ce cercle blanc, il y a une progression, on va dire. Ça met un certain temps pour capturer la base, et une fois qu'elle est capturée à 100%, c'est fini. Et plus vous êtes nombreux dans cet endroit, plus vous allez la capturer rapidement. Alors en faisant le tour par ici, je vais croiser certainement d'autres tanks. À partir du moment où les tanks sont repérés, on les voit apparaître sur la map. On peut se cacher dans des buissons comme ça nous permet de ne pas être repéré. Mais alors vous voyez, je suis en montée, je suis pas sur le chemin, donc je galère un peu, on va revenir sur le chemin. Est-ce qu'on fait le grand tour ou on coupe par ici? Il y en a un autre qui me suit. J'ai envie de faire le grand tour par en haut, moi je suis comme ça. Les gars sont dégommés, on a déjà perdu... Bah personne. C'est juste qu'ils ont disparu du radar. Oh, démarrage en côte! Alors si, il y en a... Voilà, ils ont détruit un tank, nous aussi. Ça c'est bien, ça commence à taper. Oh la côte, mec! L'allié a détruit notre allié. GG! GG, t'as tiré sur un mec à nous. Et pas un mécano. Ça arrive parfois, faut faire gaffe. Donc pour l'instant, on n'a rien de visible en ennemi. On a l'autre qui est là-bas. Bon, vous savez quoi, je vais pas faire le grand tour parce que l'autre est devant, de toute façon, il ouvre. Apparemment, personne n'est passé par là. Ah, si, ça y est. Vous voyez, regardez, on en a un là-bas. Ouais, je l'ai touché, moins 45. Recharge. Boum! Alors c'est l'autre qui l'a détruit, mais moi j'ai participé au truc, donc c'est bon, on en a explosé un. C'est tout ce qui compte. Ah, il y en a un qui s'est fait exploser devant. Notre pote s'est fait exploser. On défonce les barrières, rien à foutre. On va se cacher dans le petit buisson ici, en attendant que l'autre avance. Je suis caché, là là là. Parce que lui s'est fait dégommer, donc c'est bien qu'il y a du monde là-bas. Alors on progresse de buisson en buisson. Et on défonce tout. Ah, Sensei Mer Mega Srab. Putain, il y a des tchèques. Ah ouais, il y a beaucoup de gens de pays de l'Est qui jouent. Je vais plus le remarquer, ça aussi. Ok, alors l'autre s'est fait dégommer, ça doit camper en face. Il s'est fait dégommer ici. Où est-ce que ça campe? L'autre a bougé. Hein, je vois personne. On va avancer délicatement dans les buissons. Ok, il y a quelqu'un sur la droite. On essaye de le shooter ou quoi? Wouah! Moins 39, bim! Ah, je l'ai pas touché. Ah si, moins 25. Ah bah il... Ah oui, mais c'est pas moi qui... Qu'il est dégommé, c'est quelqu'un d'autre, je crois. Bon, toujours est-il que mon tank est toujours à 100%. Allez, on tente une avancée pénétration dans la zone. C'est très dangereux parce que s'il y a des mecs planqués, je vais me faire dégommer la sucette. On va essayer de faire un contournement complet par derrière. On sait jamais, il y a 3-3. Je sais pas où sont les autres tanks. Mais on peut tenter la pénétration arrière. Ça fait toujours mal aux fesses. Et ils nous ont détruit un tank de plus. Alors la base ennemie est par là-bas. Elle est 3 là-bas, mais je contourne vraiment totalement. Oh, vais-je réussir à... Je vais me faire dégommer d'un coup, je vais pas comprendre ce qui m'arrive. Ok, on est à 4-4. Alors le front là-bas a l'air pas trop mal. Je pense que je vais contourner totalement par derrière et ils s'y attendront pas.
mettons la vaseline jusqu'au bout. Parce que par là, il y en a peut-être qui défendent, mais ça a pas l'air. Faut pas que je tombe dans l'eau, hein. Ce serait un peu con. Fuck. Ok, il y a quelqu'un là-bas, mais il se fait dégommer. C'est bon, ça. Je vais pas les aider. Alors, je vais contourner. Non, il se fait dégommer, c'est bien. Je peux éventuellement les aider ici. Non, il est de l'autre côté, hein. Il se fait taper dessus. Ah, ah, ah. Ah, fuck. Il est juste de l'autre côté de la colline. Ah, il y en a plein qui sont morts ici. Faut vite que j'aille vers le drapeau, je pense. Alors, attendez. Là, je l'ai en visu. Fuck. Allez, recharge. Je tire un peu trop loin. C'est bon, il s'est fait dégommer. Ouh, il y en a un là. Sous-at. Allez, on va monter la colline. Ouais, dégommez-le les mecs. Ah, il a disparu. Allez, allez, pénétrons dans la base. 87, j'arrive pas à voir où ils sont. Ils sont là-bas. Ils sont en limite, limite. Aïe! Je me fais tirer dessus. Une de nos chenilles est touchée. On les... Boum! Hop, 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 c'est chaud, les amis. Épiscope détruit. Non, non. Ouais, en plein dans le mille, mais je lui fais pas grand chose. Ah, mais chier, je me suis fait exploser la gueule. C'était prévisible. Alors, il faudrait en fait que je leur fasse face dans ce cas-là, parce que quand on leur fait face, on a un blindage beaucoup plus épais à l'avant qu'à l'arrière. Et là, j'étais de côté, donc je me suis fait un peu exploser la gueule. Ah, mais c'est pas grave. Pendant que je buvais un petit verre d'eau, c'est pas grave. Notre équipe est dans la merde. Il nous reste plus que deux tanks et je pense qu'ils vont conquérir. Ah mais non, il reste... Non, il y a... Pardon. Il reste du monde, il reste du monde. Alors voyons voir ce que ça donne, mais ça campe. Alors ça campe beaucoup plus que World of Warplane, évidemment, puisque comme on est dans des tanks, on est bien plus immobilisé. Allez, monsieur Silver. Oh, la côte. Alors les autres, ils tentent pénétration maintenant, ok. Ah bah on en... Ah oui, mais non, ça c'était moi, ça. On a personne qui a suivi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au garage ou on observe un petit peu? Parce que je pense que j'aurai pas mon tank si jamais. J'en ai tué un apparemment, moi, parce que j'ai bien un point. Putain, en face, Suzat, il en a pété 4. Défendez la base, affirmatif. Eux, ouais, ils défendent totalement, ils sont camouflés. Ils appuient sur plein de boutons, ils savent pas. Ouais, ça campouse jusqu'au bout, quoi. On voit un petit peu tout sur la grille. Bon, bah écoutez, on va retourner autour au garage. Bah oui, je vais quitter la bataille. Est-ce que ce tank-là sera disponible? Ce véhicule est en bataille, donc c'est pas grave. On va prendre notre petit. Alors c'est pas un char nucléaire, c'est un char. Quoi, Renault, ouais, n'est-ce pas? Tout pourri, Renault. Mais, oh, quoique, j'aurais préféré un Charles Leclerc, c'était mieux. Apparence, oui, camouflage. Ce que je voudrais faire, c'est recherche, n'est-ce pas? Améliorer un peu notre char Renault. Oui, oui, oui. Là, on a plus de sous. Ah oui, il fallait que j'achète ça avant. Ah oui, non, fallait que j'achète ça aussi. Et j'ai plus de thunes. Problème solde. Donc du coup, on retourne au garage. Alors ce char là, je l'aime pas, mais c'est pas grave. En fait, si, il est très maniable, très rapide, mais alors une roquette, il est mort, quoi. Non. Maintenant, lors de la maintenance, il me fait souvent ça, il arrive pas à acheter des munitions. Bah oui, parce que j'ai plus assez de thunes. Ce qui va être un problème. Wow. Combien j'ai? 175. Oh oui, c'est bon.
Assez de munitions, on peut partir à l'attaque! Bataille aléatoire, tadam. On peut créer des batailles nous-mêmes, pour ceux qui veulent jouer ensemble. Beaucoup de joueurs dans la file d'attente, donc ça va, c'est assez rapide. Et les autres tanks, ouais, je sais pas. Ah, alors là, c'est une map que je connais pas, tiens. Avec le phare. Ah, quoique si, je la connais peut-être celle-là. Je me souviens plus. Coucou toi. C'est moi ça, non? Ah non, moi je suis là. Mais j'ai le même tank que toi. Je sais pas pourquoi il a cette petit truc à ski derrière. J'ai rien compris. Bizarre. Oui, ça c'est la première map que j'ai faite et on avait gagné, j'ai rien compris, on avait gagné directement, c'était assez marrant. Ça s'était joué en 2 minutes. Donc j'espère qu'ils vont me refaire la même là. Allez, en avant. Eh oh les mecs, faut jouer un peu là, qu'est-ce que vous foutez? On casse les barrières, on est comme ça. J'espère que ça n'a pas endommagé ma coque. Non, ça va. Ah, en fait, j'ai vraiment pas un tank qui va vite. Celui-là, par contre, il va très très vite. Mais pourquoi vous tirez, les gars? Y a rien. Alors là, y a un tank avec une sorte de mitrailleuse, c'est assez bizarre. C'est pas un. On va se positionner ici parce qu'ils vont sûrement arriver en face. Donc, position buisson. Voilà, on a déjà repéré un. Je me roule pas dessus, mec! Je me roule pas dessus! C'est bon. On va laisser passer devant un peu. Coucou. Attention au secteur E6. Mais c'est quoi le secteur E6? Bon, on peut passer au buisson suivant puisque les autres partent devant. Je pense que ça va commencer à taper là. Non, toujours pas. Étonnant, on est sur la ligne de front là. On voit le drapeau là-bas. Ok, là-bas ça tape. Ouais, sauf que je suis trop bas. Il y en a un qui va peut-être émerger. Allez, on passe au buisson suivant. Là-bas, il y en a un. Je le veux. Je l'aurai. Nanana. Celui-là a ricoché. On l'a même pas éraflé. Ils sont touchés. Ah là, je peux pas tirer, tir croisé. Je pense que lui va prendre cher. Allez hop, un de cassé. Sauf que nous en avons dégommé 4. Donc on est dans la merde, je sais pas par où ils sont passés. Tu crois quoi toi? Allez, recharge, recharge, recharge. Ils sont touchés. Ils sont seulement touchés. Ouais, ils sont seulement touchés mais ils sont pas morts. Recharge. Alors je serais censé bouger là. Voilà, je me suis fait exploser parce que j'ai pas bougé. Je vous l'ai dit, je joue très mal. on va s'en faire une dernière, mais je l'aime pas ce tank, je sais pas. Quitter la bataille. L'autre, il a fini au moins. Yes, il est où mon char? C'est celui-là. Lui, il a fini. J'ai gagné des sous, hein, du coup, parce que ça c'est fini. On va voir du coup si on peut améliorer certaines choses. Non. Ça, il est déjà tout amélioré ce tank, il est bien. Alors, peloton, bataille en équipe, bataille entraînement. Non, bataille aléatoire, c'est très bien. On va repartir. Peut-être une autre map, ça serait sympa. Et donc, comme je vous l'ai dit, le jeu est. Immelsdorf. Oh, une ville! Ah oui, elle est sympa celle-là. Le jeu est gratuit, vous avez un lien pour le télécharger dans la description. Et ouais, c'est comme World of Warplane, hein, il faut un compte Wargaming. C'est le même principe. Alors oui, ça c'est une ville, elle est vraiment sympa cette map là. Je sais pas quelle ville ça représente. Une ville en plein champ de bataille, hein, vraiment, pour le coup. Tout est pété. Ouais, des trucs comme ça là. Avec des camps militaires. La cathédrale n'est pas pétée. Oh. On me voit? On me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Hop! C'est
parti. Alors, par où va-t-on passer? Les gens partent majoritairement par la voie de là-bas. Vous savez quoi? On va aller à la station, à la gare. Ouais, non, mais je préfère suivre là où il y a du monde. On est toujours meilleur en groupe. Ok, les mecs, ils tirent comme des barges, déjà. Non, mais mollo, les gars. Mollo! Vous excitez pas! Alors, c'est peut-être pour essayer de toucher du random, aussi. Je me demande si on peut atteindre... Ce petit village là-haut, ce petit château, il est joli. Je pense que oui, par le côté. Non, non, je pense pas. Ah si, il y a une montée. On pourrait en soi. Alors, pas mal d'ennemis ont été révélés. Vous savez quoi, je vais suivre Squirty là. On va voir si on peut faire le tour. Oh, genre. Ah bah non, j'ai pas été touché, ça arrivait juste devant moi. C'est le swag. On va contourner tout simplement. On se balade. Pendant ce temps, putain, l'équipe adverse sont toujours meilleurs que notre équipe, hein, ça craint. Voilà, montée. La montée. Tant, tout, tant, tout, tant. Méga musique. Allez, tant qu'ils ont du mal en côte. Hein. Avec les arbres qui bougent, ouais, c'est pas trop mal fait. Je dois avouer que. Et attendez-moi les gars! Attendez-moi! Je me suis jamais baladé par là, donc ça doit être le haut du château. Alors il y en a qui rechargent, mais comment ils peuvent recharger? Il n'y a pas besoin normalement. Ah, ou c'est peut-être quand ils changent d'arme. Allez, c'est parti, on rentre. Là, t'es passé totalement par l'extérieur. On arrive au niveau des châteaux. Alors, ah, on a repris le dessus. 4-3. Pas mal. Et en plus, regardez, il y en a à 37. Ah, 4-4. Fuck. Ouais, on est mené 4-2. Ok, il y en a un là-bas. Okay, j'aime pas du tout la position sur laquelle je suis. Ça va être tendu du slip de guerre. L'autre a disparu. Je t'attends, je sais que tu es juste là. Il y en a un autre derrière. Où est-ce que tu tires? Yes, 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 viens, viens un peu plus là. Viens, viens, mort à l'hameçon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merde! Ah! Défends-moi, toi! Ah! Fuck! Ouais, il y en avait trop là, 3 contre 2, et puis l'autre il a pas défendu. Pourtant là, je lui ai fait bien mal, hein, 19%. Bon bah, du coup, on va encore perdre à cause de moi. Ah! Sauf qu'on est en train de capturer leur base! GG! Regardez, il y a lui qui est passé, je sais pas par où. Et vous voyez la capture, on est à 27, 28, 29. Ah oui, sauf que eux nous capturent la base aussi et ils ont l'air... Je sais pas s'ils sont tout seuls. Il y en a un qui revient à la base. Lui, retour, il est en mode rapide. Il revient à la base pour essayer de... Qu'eux, ils sont coincés. Et on a lui qui... Oh, il va se faire dégommer la gueule. Non! Oh, mec! En attendant, on a toujours un qui nous capture la base. Trouve-le, mec, trouve-le. Il a 46%. Où est-ce qu'il s'est caché, le petit gueudin? Ah, là-bas. Faut que tu bouges, mec, faut que tu bouges. Une de nos chenilles est touchée. Non, tu vas te faire buter. Oh! Bon, du coup, je pense qu'on a perdu. En plus, ils nous mettent 14 à 8. Oui, bah ouais, on est mort. Je crois. Ah, il en reste plus qu'un. Mec, tous les espoirs reposent sur toi. Mais de toute façon, ils vont capturer notre base. Hein. Ils sont à 26. Et puis, il se fait dégommer par derrière.
C'est pas mal aussi ces tanks là qui font piou 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 piou. C'est des tanks japonais apparemment, il y a le drapeau japonais. Bref, voilà un petit aperçu de World of Tanks. Il est sympa, c'est beaucoup plus stratégique pour le coup. Je préfère World of Warplanes dans le l'aspect plus moins difficile à prendre en main en fait. Mais sinon après, il est très très sympa et de toute façon... GG mec. GG. Après ça... Enfin, c'est quand même un très bon jeu et ça reprend les... Enfin, il est, de toute façon, il est connu, à la base, le studio est connu pour World of Tanks et pas World of Warplanes, donc... Mais j'essaierai d'y jouer avec des gens... Enfin, tu vas te faire tuer. Qui... Eh ben voilà, c'est fini. Avec des gens qui jouent mieux que moi et qui pourront m'apprendre un petit peu. Et puis, ben voilà. Base capturée, défaite. Oh, on gagne quand même des pièces, hein, c'est comme l'autre. Voilà, sur ce, je vous souhaite pas joyeux Noël parce que c'est passé. Et je vous dis à bientôt. Et vous pouvez éventuellement m'ajouter hein, si vous voulez jouer. Je ferai peut-être un petit live, un de ces quatre, pour jouer avec vous pour le fun. Ça peut être sympa si on joue en coopération comme ça, surtout en live. On pourra tous se suivre et essayer de faire des choses bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, ciao ciao.